Il est temps maintenant des déclarations de députés. Député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole avec grande reconnaissance envers les gens de Waterloo. C'est des gens préoccupés qui ont habité, qui étaient itinérants, des gens qui ont navigué les systèmes de logement qui étaient censés les aider. Ils m'ont écrit pour me dire qu'ils ont besoin de nous. Les itinérants ne sont pas le problème, mais le résultat du problème. Le problème du manque de logements abordables, les traitements pour la santé mentale et des dépendances. Je veux qu'ils sachent qu'ils ont tout à fait raison. Ils ont raison de nous demander d'utiliser notre position pour penser de l'incidence de toutes les lois sur eux, sur les gens qui sont itinérants. Ils ont raison pour nous demander si on pense que le logement est une solution à l'itinérance ou une solution tampon. Désolé. Arrêtez la pendule. Les députés qui entrent dans la Chambre, vous devez être silencieux alors que vous tentez de reprendre vos places. Redémarrez la pendule. Encore une fois, désolé. Merci, M. le Président. Ils ont raison de nous demander si le logement est une solution à l'itinérance ou un tampon, une solution tampon. Ils ont raison lorsqu'ils disent que l'itinérance peut être, qu'on peut y trouver une solution seulement avec de bons efforts par des personnes telles que nous. Nous, dans notre position de pouvoir, on peut faire partie de la solution pour trouver une solution au problème de l'itinérance. Je garde espoir parce qu'on doit faire mieux pour eux. Les Ontariens méritent rien de moins. Déclaration de député. Député de Haldeman-Norfolk. Merci, M. le Président. Le barrage illégal de l'autoroute 6 de Caledonia doit être retiré et démantelé. C'est une position pour laquelle j'ai lutté pendant les 14 dernières années. Ils sont dangereux. Ils empêchent le mouvement des gens et des biens et des services. Et ces barrages illégaux forcent des poids lourds de devoir prendre d'autres routes et ça rend la situation très dangereuse. Ce barrage de Caledonia doit être retiré. Ça fait partie d'une insurgence nationale pour protester des projets au Canada et les chefs Wet'suwet'en qui sont contre les développements en énergie en Colombie-Britannique. Par contre, les gouvernements provinciaux demandent au gouvernement fédéral d'agir et de démanteler ces barrages. Nous respectons le droit de manifester, mais les gens, on est en train de nuire à leur bien-être. J'ai joint le premier ministre et notre conseil des ministres et moi et mon personnel. Nous sommes sur le terrain à Caledonia et nous surveillons la situation. Et Caledonia a besoin d'aide. Merci, Monsieur le Président. Député de Hamilton East, Stoney Creek. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'injustices qui ont lieu à tous les jours, partout dans la province, ce qui comprend, mes commettants, les Ontariens ont perdu leur liberté. Les enfants ont été retirés de leur famille, des réfugiés qui fuient la persécution pourraient faire face à la torture et à la mort s'ils ne sont pas représentés au niveau judiciaire. Cette violation aux libertés des Ontariens, le résultat des compressions de 30 % à l'aide juridique pour ajouter l'insulte à l'injure, selon le barreau du Canada de l'Ontario, que pour chaque dollar investi en aide juridique, on économise 6 $. Ça veut dire qu'on a ajouté jusqu'à 3/4 d'un milliard de dollars dans dépenses dans d'autres parties du système juridique, judiciaire. La semaine dernière, j'ai eu des réunions avec l'aide juridique au sujet de ces compressions. Je voudrais remercier les avocats des premières lignes pour leur dévouement envers notre système de justice et je demande au premier ministre de revenir en arrière sur sa décision d'apporter des compressions de plus de 133 millions de dollars. Merci, M. le Président.
Déclaration de député. Député de Carleton, merci, Monsieur le Président. Le 23 février, j'ai été ravi de pouvoir accueillir Monsieur Rickford et Monsieur Walker pour une discussion sur l'énergie, le gaz naturel dans ma circonscription de Carleton. Il y avait des représentants de plusieurs différentes régions de ma circonscription. Il y avait George Dubrosk, conseiller municipal. Ils ont partagé la rétroaction au sujet de ce que notre gouvernement peut faire pour bâtir l'Ontario ensemble. C'était très informatif et les ministres ont été là pendant près de 3 heures et ont répondu à toutes les questions des gens. Je voudrais remercier le ministre Rickford et le ministre Walker pour avoir visité ma circonscription et de pouvoir comprendre les défis dans ma circonscription des régions rurales qu'on considère en étant urbaines suite aux délimitations de la circonscription. Cars, Vernon et plusieurs autres régions ont ce statut. Je suis ravi de pouvoir travailler avec les ministres pour être une bonne voix pour les gens que je représente. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour souhaiter à tout le monde cette Journée internationale des femmes. J'ai eu ma première accueilli mes premiers événements l'année dernière pour la Journée internationale des femmes et cette année aussi je le ferai le 8 mars. J'encourage tout le monde de venir et de participer. Vous pouvez avoir plus d'informations sur mon site Web. Merci. We're going to continue with member statements and ask members to please. Déclaration de député, un peu plus de silence, s'il vous plaît. Déclaration de député, le député de Koweïnata. Bonjour. Ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire d'où je viens, dans ma communauté de Kingfisher Lake. Beaucoup de gens ne savent pas où ça a été déplacé en 1966, mais d'autres étaient à Pickpigger House. Et on a reçu le statut de nation en 1976. On a placé sur un système de conseil nos premiers gouvernements en 1973. Et le seul système d'électricité à l'école et au début des années 80, la communauté s'est installée son propre système électrique. On a reçu la route en 1987, aussi bien que l'eau usée et de l'eau en 1994. Et depuis la conception, on a eu plus de 400 morts par suicide. C'est ce qui a l'air le colonialisme. En tant que Première Nation et que communauté, on va lutter qu'on se connaît et de parler notre langue. Et je demande comment est-ce qu'on répare cela. Certains disent la réconciliation, mais comment cela fonctionne quand l'Ontario ne reconnaît pas que le système ne fonctionne pas, la relation est brisée et cette relation est morte. La réconciliation est morte. Certains disent que la réconciliation n'a jamais existé. Miigwech. Déclaration de député, le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter les étudiants et la communauté du programme de leadership environnemental. Ils ont fait un travail incroyable pour une réunion sur l'environnement par les députés de Guelph avec le maire et moi-même. Et on était à l'Église unie, il y avait tellement de gens qu'on a obligé de dire aux gens qu'ils ne pouvaient pas rentrer. C'est clair, les gens veulent des gestes posés contre le changement climatique. Ils sont déçus que le gouvernement n'a pas avancé un plan en ce qui a trait au climatique depuis que la vérificatrice générale a critiqué son plan. J'étais impressionné comment les étudiants reliaient la création d'emplois au changement climatique. Les investisseurs mondiaux ont investi plus de 2,6 milliards de dollars dans l'énergie renouvelable et en plus 3,5 milliards de dollars. Les jeunes, Monsieur le Président, veulent des emplois dans l'économie propre, mais c'est difficile. Comment l'Ontario va tirer de cet argent d'investissement quand on déchire des contrats et on a un plan qui sera voué à l'échec? Les jeunes veulent avoir un avenir avec une bonne vie et je demande au gouvernement de les écouter quant à cette crise climatique. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup. Déclaration suivante, la députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. L'année dernière, en décembre, j'étais contente d'annoncer au nom de la vice-première ministre, ministre de la Santé, que l'équipe Santé Ontario Cambridge North Humphreys était une de 24 choisies à lancer notre nouveau modèle du gouvernement pour arrêter la médecine de couloir et avoir un système connecté et durable, centré sur les besoins des patients. On a travaillé de façon collaborative à Cambridge et North Humphreys sur les soins de santé grâce à des organismes comme Lancs Community Health Center, le Centre de santé communautaire de Lancs, qui est un point d'accès aux services avec l'hôpital mémorial de Cambridge et d'autres organismes qui continuent à travailler pour innover, améliorer et appuyer les soins de santé dans notre communauté. Merci et félicitations aux fournisseurs, organismes et les chefs de file, des gens comme le Dr. Sharon Ball, le président de l'hôpital mémorial de Cambridge, Patrick Gaskin, et Bill Davins, directeur général de Lancs, et d'autres communautaires partenaires, des partenaires communautaires plutôt qui ont aidé le plan et qui ont travaillé pour rendre une réalité. Merci à tous les professionnels de service Cambridge et North Dumfries. Déclaration de député, la députée de Nickelback. Merci, Monsieur le Président. Les organisateurs dans ma circonscription ont un problème. Le gouvernement a dit que l'Orignal est trop petit pour qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ce gouvernement qui dit qu'ils sont pas ces petits exploitants à risque. Les équipementiers créent de la richesse et maintenant beaucoup ne pourront rester ouverts. Monsieur le Président, est-ce qu'on veut protéger ces animaux majestiques, les orignaux, les orignaux? Je demande au député de Kitchener-Conestoga de retirer les commentaires non parlementaires. Je les retire. Je m'excuse à la députée de Nickelback. Je vais vous donner du temps additionnel. Monsieur le Président, est-ce qu'on veut protéger ces animaux majestiques, les orignaux? Oui. Je ne sais pas, il n'y a pas une seule personne du Nord qui va avoir des orignaux en bonne santé. Mais quand le gouvernement fédéral a fermé la pêche dans l'Ouest, ils ont eu un système pour payer les gens. Richard Como, d'Hardwood Board, Paul Chartrand, Jim Loisir, de Genoa, Henri et Arnie Roberge, de Tuckettle Lodge, Kim Pover, de Thunstock, et il y a toute une liste de ces équipementiers. Toutes ces petites entreprises sont à risque suite à la décision de ce gouvernement. Ils méritent l'attention du gouvernement et des dédommagements du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci. La déclaration suivante, député de Whitby. Merci vendredi dernier au nom de l'honorable Monty McNaught, ministre du Travail, de la Formation et des Aptitudes. On a créé un nouveau système pour donner des services à 700 travailleurs de compagnies indépendantes touchées par la fermeture de l'usine de General Motors. Le centre relie à ces travailleurs avec des emplois, des occasions de formation pour qu'ils puissent aider leur travail. Écrire leur CV, et etc. Le 22 avril 2020, au Collège Durham, on va essayer de relier il y a une foire d'emploi pour aider à relier les gens au travail. C'est une époque difficile pour beaucoup de travail et famille, et notre gouvernement est du côté des travailleurs dans la région de Durham, et on va continuer à aider les gens qui sont touchés par cette fermeture pour faire de nouvelles formations pour qu'ils puissent se trouver un nouvel emploi. Merci, Monsieur le Président. Merci. La déclaration suivante, le député de Hastings, Lennox et Eddington. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre gouvernement, la Première Nation, Martin Falls et Weber, ont pris une première mesure pour avoir de bonnes occasions dans le Nord en signant un accord pour avancer la planification d'un lien routier. Au centre-ville de Toronto, il y a une cérémonie de signature et de célébration. Et ce gouvernement a livré dans sa promesse d'avancer avec le cercle de feu, avec ses partenaires, y inclus des groupes autochtones et des gens du Nord.
Après 15 ans du gouvernement libéral, on a dit qu'on va construire une route au cercle de feu et on va travailler avec nos partenaires à la Première Nation, Martin Falls et Webeke, pour assurer qu'on fasse comme il faut. Ensemble, on peut avoir des emplois et de la prospérité dans le Grand Nord. Ce projet de route toute saison va aider non seulement la mine, mais aussi les services sociaux, les services de santé, va améliorer l'infrastructure comme le service Internet. Et le chef Bruce Atchipikan de la Première Nation de Martin Falls a dit, et je cite, « On a hâte de travailler ensemble avec la province de l'Ontario pour assurer la durabilité de notre territoire ancestral. » Fin de citation. Et le chef Cornelius Wabaz a dit qu'en travaillant ensemble en Ontario depuis de longues années pour arriver ici, finalement, nous sommes là. La construction de la route va aider la communauté dans toute la région à avoir de meilleures infrastructures dans la réserve et en dehors de la réserve. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin des déclarations de députés.